Bien, on en a un. En vrai, le deuxième, il est déjà mort, mais... On va juste attendre qu'il résume. En attendant, on va looter les alentours. J'allais dire aller aider ce joueur, mais il se débrouille très bien sans nous. Je vais aller détruire les défenses là-bas tant que le mob est mort. Voilà. Ah, il y en a encore là. Nickel. Ok, et lui il est revenu. Mais il est accompagné d'un forge-acier, je sais pas quoi là. Vas-y, on va juste filer un petit coup de main. Voilà, c'est histoire de gagner l'XP en même temps quand il va le buter. Eh ouais, les strats, les vrais. Bon, tu viens? Voilà, on va se mettre à deux. Quand tu veux. Allez, on va. Ok, d'accord. Hop. Bon. C'est très bien. Votre heure viendra bientôt. Je sais pas trop où est le troisième, mais on va s'en sortir. Là, il y a du loot. C'est un élite ça? Ah oui, c'est un élite. Sinon, c'est pas drôle. Vas-y, on se le fait. Non, il recule pas suffisamment. On va forcément devoir se le taper arriver à un moment. Autant que ce soit maintenant. Bon, je me mets dos à la. À la je vais vous réduire en cendres. Je me fais dos, je me mets dos à la montagne parce que si jamais il doit.
Lui aussi il me projette, au moins j'anticipe. Et ben voilà. Bon, on a déjà buté les trois gugus. Hop. Ouais, si tu veux, j'ai. Hop. Ah. Oh ça va, je pensais que c'était des élites. Voilà, ça aurait pu être bien pire. En vrai, je détruis ça et on a fini. Voilà. Et les pieds et les bombes, j'ai pas compris pourquoi c'était. Ouais, en vrai, plutôt utiliser ça. Est-ce que justement. Non, c'est bon. Ouais, vu qu'ils sont occupés. Je vais récupérer ça. Voilà. On récupère des fournitures. Bien. Avez-vous confiance en moi? Les menaces qui pèsent sur Oh, on a un nouveau drapé. Et comment il est? Il est bien. Il est bien, il est bien. Il est bien. Tout acte a ses conséquences. Prenez le contrôle de la citadelle. Alors, la prochaine bataille sera sans doute féroce, mais notre courage et notre détermination viendront au bout de leur supériorité numérique. Je compte sur votre exceptionnelle habileté pour vous aider la conduite, pour aider à la conduite de votre route à la vie, de nos troupes à la victoire. Nous donnerons l'assaut à votre signal. Prenez le contrôle de la forteresse. Ok. À votre signal, l'ami. Il Très bien. Alors juste avant de lancer ça, faut que j'aille pisser. Je mets en pause le temps que j'y vais. Je reviens. Bien, je suis de retour. I'm ready to begin the assault. Ne baissez jamais votre garde. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le projet? Ah, j'allais dire. Oh, par contre, j'ai pas de gueule, bordel. Oh, j'aurais dû acheter la monture qui permet de faire de la transmo. Excusez-moi, je me tais. Sabellian,
héritier de Neldarion. Qui veut le savoir ? Irion, héritier de Neldarion. Je n'avais encore jamais entendu votre nom. Et réciproquement. Nous en reparlerons plus tard. Irion a un frère ? Vous pensez qu'ils étaient tous morts ? Que Irion était le dernier ? Il me faut de la vie. Je me heal. Sont en déroute. C'est le moment de porter un coup de grâce. Je dois m'approcher. Il y a un autre joueur, on va le suivre. Alors, sous les remparts. Éliminer 3 arbalestres. Oh, c'est la guerre. Hein, en gros. On va se contenter de. C'est la merde. Allez, je vous laisse le finir, les gars. Non, sérieusement ? Personne veut le finir ? Bon. Je suis trop loin. Je dois m'approcher. Mec, si tu veux t'occuper de lui aussi, il est quasiment mort. Ah bah il en reste qu'en fait, bah c'est bon. Allez. J'ai prêt à vous aider. Prenez du passé, regardez vers l'avenir.
J'ignore d'où tu viens, l'ami, mais tu arrives à point nommé. L'Outre-Terre. Pensais-tu vraiment vaincre cette armée par toi-même, petit frère? Quelle audace! Pourquoi il parle de l'Outre-Terre? J'ai pas compris. Il était invisible ou il vient de spawn devant moi, ce connard? Ouais, bah je te le laisse. Hein. Ouais, alors, non, je peux pas. Je peux pas en combat. Il a disparu. Yes. Dans le cul. Je vous attends, demi-portion. Je dois recommencer. Il est où? Inutilisable ici, bien sûr. Oh, tais-toi. Donne-moi ta vie. Merde. Yes! Je suis mort. J'ai aucune chance. Ouais, bah j'ai aucune chance. Je suis coincé. Je pourrais même pas remonter là. Oh bah super, c'est super, c'est super. Tout ça à cause d'un bug, quoi. Le fait que je sois pas monté dessus, il a quand même disparu, quoi. Hop, allez. Oui, bien sûr, je peux pas utiliser de monture ici. Ah oh, mais dégage. Et puis mon marcheur là, qu'est-ce qu'il fout? Allez, puis rends-moi la vie que tu m'as fait perdre. Voilà, merci. Voilà, allez, c'est bon. Tout mon pote va s'occuper de toi là.
Il est où? Attendez, il est là-bas, c'est ça? Fait chier. Ah. Ah non, non, c'est un ennemi. Je pensais que c'était... Tiens, hop, cadeau. Allez, c'est reparti. Ouh, j'ai fait tout le tour du donjon pour rien. Comme ce qu'il faut. Prends-moi maintenant, vite. Voilà. Parce que je voulais éviter ça. J'ignore d'où tu viens, l'ami, mais tu arrives à point nommé. L'autre terre. Pensais-tu vraiment vaincre cette armée par toi-même, petit frère? Quelle audace! Par lui-même. Et moi, je compte pour du nougat. Cette fois-ci, c'est bon, je suis plus en combat. Voilà. Je me sous-estime. Peut-être es-tu parti depuis trop longtemps. Peut-être as-tu hérité de l'entêtement de notre père, après tout. Je suis hors de portée. Il est où? Il est là-bas. Allez, le troisième. Normalement, il y en a trois, hein, c'est ça? Il y a trois arbalètes et après, il y a un champion. Bon. Ah bon, ça va, celui-là est accessible. J'aime bien parce que j'ai qu'à lancer un sort, les autres les butent et je gagne. Ah non. Ah merde. Ok, d'accord. Ah bah oui, il est là le champion en question. Ok, oh bah ça va, on est nombreux là, on va. C'est moi ou c'est deux personnages qui ont la même classe? Ou non, c'est un seul mec mais il a.
C'est quoi? Chasseur, mais il a 4 bêtes. Enfin, il a 2 bêtes et il a... Ouais. Bon. On attend le respawn. Ah, ça a l'air plutôt dans mon dos. Vas-y, on va faire comme lui, hein. Quitte à se faire chier. Ah, il est là. Je vous attends, demi portion. T'as, hé. Quelle ta joie, hein. Oh, t'as décidé de me faire chier, toi. Y a-t-il un sujet qui vous tracasse? Ah, Netarion a juré de protéger ce monde jusqu'à ce qu'il a endossé la charge de garde-terre du jeune Normand. Il s'est engagé à préserver les profondeurs de la terre et à se faire le défenseur d'Azeroth avec son vol. La pierre de vœux d'obsidienne est le symbole de cette promesse. Nous devons l'activer et faire savoir aux îles, aux dragons, que le vol draconique noir est de retour. Suivez-moi, un petit jeune Normand. Ouais, enfin, ton père, sa promesse... Hein. Le vol noir saura se racheter. C'est le prince noir qui se tient devant. Nous devons activer la pierre de vœux pour rendre son pouvoir à mon vol. Quelque chose ne tourne pas rond. C'est impossible. D'où vient cette fissure? Notre père a brisé son serment. Et la pierre avec. Nous devons la réparer. La forge du garde-terre est toute proche. C'est donc possible. Je sais pas quoi prendre. Flamme d'âme. Lorsque vous tuez une cible, son âme s'embrase et inflige 1400 points de dégâts aux adversaires proches. Ces dégâts sont réduits au-delà de 8 cibles. Alors ça c'est bien pour le truc, mais le truc c'est que ça peut très facilement dégénérer ça. Et moi le sacrifice, sacrifier votre demande. Ouais non, pas besoin de ça. Ouais vas-y allez le crépuscule. Non, je peux pas. Ah non oui non c'est un point en démoniste. Excusez-moi. Puis tout à l'heure je lis à côté. Je sais pas, c'est quoi là? Utiliser le cercle démoniaque, non. Si je prends ça. C'est un sort, ça m'intéresse pas. M'intéresse pas.
Réduit vos chances de subir un coup critique de 2%. Non, on s'en tape. Lorsque vos points de vie passent en dessous des 35% de pourcentage, votre lien spirituel est augmenté de 5%. Ouais, ça peut être intéressant, mais bof. Les dégâts infligés par vous ou votre démon ont une chance d'augmenter les dégâts de l'autre 5% pendant 15 secondes. Et ben voilà! Il semble que nos destins soient liés. Bienvenue sur les îles aux dragons. La pierre de vœux est endommagée. Trois de ces fragments ont disparu. Vous devez les retrouver. Il existe peut-être encore un moyen de le restaurer. Récupérez 12 fragments de la pierre de vœux. Les troupes Jaradin qui ont pillé la citadelle se sont peut-être emparées des fragments. Je vais vous aider dans vos recherches. Bon. Avec votre permission, j'aimerais vous accompagner. Ma connaissance de cette citadelle pourrait s'avérer utile. Ok, faut rentrer. Ces caveaux s'étendent sur des kilomètres sous la citadelle. Nombre de puissants artefacts et armes y ont été mis à l'abri. Et à présent, les Jaradin pillent les caveaux dans l'espoir d'étendre leur puissance. Il s'est passé quoi là? Je vous attends, demi-portion. D'accord. C'est la violence. Ah bah, je suis pas tout seul visiblement. Il y a un fragment qui est revenu là. Ah non, il compte pas. Faut vraiment prendre les fragments qu'on n'a pas pris avant. Du coup, celui-là là-bas, je l'ai pris, je l'ai pas pris. Je l'ai pris. Super.
Qu'est-ce que c'est? Laissé à l'abandon pendant si longtemps, ces caveaux sont aujourd'hui en piteux état. À la place des Jaradin, oh merde. Je ne serais pas pressé d'ouvrir cette salle. C'est bon, je suis quand même à l'abri. Pourquoi cet appel? Des élémentaires. Les fondations même de la citadelle s'animent pour s'opposer à nous. Ah mais à ce point-là? Mais non, mais genre ça one shot. C'est enfer. Là j'ai cru que j'allais pouvoir avoir quand même le. Ah non mais là c'est la violence là. En plus c'est long. Là pour ressusciter c'est long sa race. Ça va vraiment falloir y aller de... À petit bout par à petit bout, puis surtout les empêcher de... Enfin, esquiver leur sort, quoi. Du coup, je me souviens plus si j'ai pris le fragment ou pas. J'ai pas dû le prendre. Non, c'est bon, je l'ai pris. Il me reste 3 à prendre. Je vous attends, demi-portion. Je dois d'abord choisir une cible. D'accord, puis il se multiplie quand on les bute. Oui, toujours plus, toujours plus. En vrai, celui qui est au pied de l'autre, là, on s'en fout. Je vais essayer de récupérer ceux qui sont de chaque côté. Et en vrai. Ouais, ce que je vais faire, c'est ça. Ça m'économisera un aller. Ah, mais c'est du... Est-ce que ça peut one-shot un mec? Non. Ah, mais je peux m'en servir plusieurs fois. Ouais, mais ça, c'est ça. Ça a peu d'intérêt. Non. Non. J'ai bien fait de la mettre.
n'est pas la cible. Je vous attends, demi-portion. Donc, viendront. Combien il m'en reste? 2 à prendre. Ok. Objectif bonus, il a combien? 2 millions de points. Je crois que c'est non, hein. 2 millions de points de vie, c'est dead, hein. Ouais, pour 9000 d'XP. Ouais, oh. Une minute. Non, alors, oui, alors, évitez par contre d'aggro l'autre. Comme ça, par exemple. Allez, je me tire, hein, salut. Hein. Est-ce que celle-là je peux la prendre? Non, celle-là elle est déjà prise. Oh putain. Pour le moment ça passe. 12 sur 12, je me tire. Je me tire. Ah la vache. Et tout ça là, tous les cadavres là, c'est des joueurs, hein. Putain, c'est une hécatombe ici. Les aspects sont de retour. Que les aspects veillent sur vous. Ok, la forge de garde-terre est la plus puissante de toutes les forges. C'est bizarre, j'entends ça de toutes les forges, moi. Mais bon, draconique. Ah, forge draconique. C'est peut-être aussi parce que c'est la seule. On sait pas. Vos ancêtres l'utilisaient pour créer des armes et des armures sans pareil au service de la défense d'Azeroth. Ah bon, je pensais que dans une forge on faisait du sucre. Moi. Ben non, franchement. Oui, dans une forge on fait des armes et des armures, c'est bien. Sans pareil au service de la défense d'Azeroth. Oui, ben c'est bizarre, j'entends le même discours de toutes les forges. Au cœur de cette forge sommeille un pouvoir capable de réunir les fragments épars de la pierre de vœux. Allons la réparer pour nous mettre au travail. Allons la préparer pour nous mettre au travail. Préparer la forge du garde-terre. Et la forge n'est pas loin. Dépêchons-nous. La zone ne restera peut-être pas sûre très longtemps. Ah, je vais juste réinvoquer mon marcheur avant.
Nous devons tout d'abord activer le sceau du garde-terre. Ensuite, il nous semble éclat pour alimenter la forge. Attention, je détecte qu'une partie du charbon a été altérée par la magie Jaradin. Ah putain. C'est un joueur ça? Ouais. Ah. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu sa barre de vie à l'autre. Ah, c'est pour ça. Non, non. Ah, d'accord, je comprends l'idée. Tout sera bientôt prêt. Vous avez fait du bon travail. À présent, rallumons vite cette forge. Honorez tous les draconiens. La forge est prête. Il ne reste plus qu'à l'allumer. Placez les fragments endommagés de la pierre d'obsidienne sur la forge et Orion fournira l'étincelle qui la rallumera. Ouais, d'accord. Préservez-vous du chaos. Il me semble adéquat que mes flammes assurent mon destin. Et ça, c'était juste un fragment, il en faut trois. Non, non, normalement non. Parce que je retourne pas dans les sous-sols. Hein. Oh, un froc. Ouais, on verra bien. Les fragments ont été restaurés. Nous allons pouvoir réparer la pierre de vœux. Et voir Orion pour être. Plus rien ne m'arrêtera. Venez, finissons les réparations. Je vous attendais. Cinématique. Ah, tu vas te faire coiffer au poteau. Tu vas te faire coiffer au poteau. Ah, il est là. Je vais le chercher. Ça pue. Ah, et puis il y a une différence de taille.
Jeune Irion, je te dois des remerciements. Tu m'as été d'une aide précieuse pour prendre la place qui me revient sur le trône d'Obsidienne. Oh, il doit y avoir un malentendu. Ce trône, cet héritage, tout ça me revient de droit. Ah, détrompe-toi. Neltharion lui-même m'a désigné comme gardien de ce vol. Que les choses soient claires. Une fois cette histoire terminée, c'est moi et moi seul qui serai l'aspect du vol noir. Nous verrons bien. Que le plus digne de cet honneur l'emporte. Baston de frangin. C'est le prince noir qui se tient devant vous. J'ai dévoué ma vie à sauver Azeroth de la destruction encore et encore, et cet imbécile pense qu'il lui suffit de débarquer et d'exiger le titre d'aspect. Je ne crois pas, non. Parlez à mon peuple, MDG Normand, écoutez ce que mes congénères ont à dire sur moi et surtout ce que j'ai fait pour ce monde. Parlez aux fidèles d'Irion. Frère, vous êtes un prince, donc votre père là, c'est un roi, c'est une monarchie, pas une démocratie. Vous vous battez à mort, et puis c'est celui qui gagne, qui ira. D'accord, ok. Et sinon toi, tu veux ? Je me suis absenté trop longtemps. En tant qu'héritier de 1-1 et chef du dernier vol draconique noir, je ne m'attendais pas à ce que mon droit de naissance soit un jour contesté. Et encore moins par un dragonnet présomptueux, encore plus jeune que vous, mortel. Si cette évidence ne vous suffit pas, vous pouvez vous adresser aux membres de mon vol. Vous n'avez pas à me croire sur parole. Je prendrai la place qui me revient de droit. Ok, d'accord. Donc là, ça va être le statu quo. On va parler à trois gus qui vont nous dire « Oui, Irion, ils sont très bien. » On va parler à deux gars du mec, ouais, il est très bien. J'ai consacré ma vie à leur retour. Ah, si les méthodes d'Irion sont contestables, les résultats sont indéniables. Il s'est démené pour préserver les créatures d'Azeroth face à toutes sortes de menaces. Nous servons à nouveau. Là où un aspect a échoué, Sabellion a réussi. Malgré la folie d'Eldemort et la rage des Grônes, ces dragons et lui ont survécu. Sans cela, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ouais. Nous protégeons les îles. Un chef, c'est un peu comme une belle épée. Force, équilibre et pureté en font toute la valeur. Je n'ai rien contre Irion, mais il n'a pas la trempe d'un meneur. Sabellion, lui, a été forgé dans les flammes et présente toutes les qualités d'un grand chef. C'est vrai que Irion est plutôt un mec impulsif. Hein. L'impulsivité au pouvoir, c'est pas bon. Hein. Que recherchez-vous? Sabellion a rallié notre peuple en Outre-Terre, nous sauvant non seulement de la mort, mais aussi de la corruption qui nous rongeait. Les autres vols, les races mortelles si ambitieuses, et même ce jeune parvenu, avaient décidé de nous exterminer, plutôt que de trouver une solution.